Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo on va tester ma batterie avec le testeur de batterie et d'alternateur de Powerfix. Il était donc en vente chez Lidl à 5€. Donc là le testeur va nous dire rapidement l'état de la batterie. Alors en termes de sécurité, on se protège les yeux et les mains. On travaille dans un espace aéré. La voiture doit être éteinte. Tous les éléments, toutes les lumières, l'autoradio, etc. Tout doit être coupé. Bien entendu, quand vous testez une batterie de voiture, vous ne devez pas la tester après avoir utilisé la voiture. Sinon, vous risquez d'avoir des données fausses. Alors, la procédure de branchement est assez simple. On connecte déjà la pince positive et ensuite la pince négative. Donc, je connecte la pince positive. Et ensuite, la pince négative. Donc là, immédiatement, le testeur s'allume. Donc là, comme vous voyez, ma batterie est bien chargée, donc elle est optimale. Là, si elle avait été orange, c'est que j'avais été en demi-charge. Et si elle avait été rouge, c'est que j'étais vraiment en faible charge. Donc voilà, ça permet d'avoir un indicateur vraiment très très rapidement de l'état de sa batterie. Pour débrancher le testeur, vous débranchez la pince négative et vous débranchez la pince positive. Donc là, les données sont cohérentes parce que j'ai une batterie à 12,71 volts. Si vous avez ce produit, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Prochainement, je vous ferai la présentation avec le multimètre de Powerfix. Et moi je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.